Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un match entre l'UBB et Clermont, deux équipes outsider, réellement outsider à la victoire finale cette saison de ce top 14. Deux équipes qui ont fait une saison qui était dans les 6 premiers, en tout cas à la fin de la saison régulière. L'UBB dominant, voilà. Clermont, c'est solide aussi, on le sait, ça reste une équipe mythique. Donc c'est un match que j'avais envie de faire. J'ai remis pour prévenir en difficulté 2 sur 5 parce que j'en ai assez de me prendre des raclés. Alors on va voir, ça va pas forcément être super simple malgré tout. J'ai essayé d'avoir une équipe relativement avec des joueurs qui sont là. Ah, j'ai vu que j'ai Cross, on va le faire rentrer assez rapidement parce que j'ai des joueurs. J'ai pas pu le faire le mettre titulaire. Et donc j'ai du genre des joueurs. Regarde, on va mettre de suite Geoffrey Cross, on va le faire rentrer à la place de Taleboula, qui n'est plus, si je ne me trompe pas. Dombo non plus, mais voilà, il n'y a pas. Allez, c'est parti, on peut revenir. Normalement, Geoffrey Cross devrait rentrer sur le terrain rapidement. Et donc, on va jouer avec l'UBB, face à l'ASM Clermont-Auvergne. Alors, il est toujours pareil, je passe de rugby 20 à rugby champion, de rugby champion à rugby 20. Je vous dis pas quand il va y avoir rugby challenge 4 qui va sortir sur PC. On l'espère sur la... Moi, je l'espère sur la fin d'année, mais je m'avance peut-être, mais je me dis, ils espèrent peut-être sortir sur les versions PS5, Xbox Series. Allez, rugby challenge 4, peut-être pour la fin d'année. Allez. En attendant, on est sur Rugby Champions. J'ai cherché à faire une petite passe supplémentaire. Hop, on fixe, on donne. Alors, on n'a pas Santiago Cordero, mais on a Nance Duquin. Et on commence bien. Bon, si vous entendez mon chien, il boit. Il est sage, et qu'il en fout pas partout. Il vient mes pieds, me déconcentrer, comme si j'avais besoin de ça. Allez, t'as Geoffrey Cross qui est là, qui est déjà rentré. Le petit côté, allez. Ah, je lui mets trop de temps, j'ai essayé de... Voilà, le départ lancé, c'est pas mal, hein. Encore une fois, tu peux choisir d'avoir un départ vraiment lancé ou non. Allez, Cameron Woki. Et là, dans l'intervalle, non, ça défend bien pour l'instant côté Clermontois. Mais on arrive pour l'instant à jouer intelligemment. Par contre, on a un blessé. Non, ça va, ça, il se relève. Il a mis du temps à se relever, c'est tout. Le crochet, on part intérieur avec Jaden Spence. Et on perd la balle, les Clermontois, qui récupèrent ce ballon, malheureusement. Ils vont jouer au pied. On joue au pied. Notre arrière n'était pas très à l'affût. Et on a perdu la balle dessus. Oulalalala. Les Clermontois sont en train d'accélérer, de mettre une grosse pression dans les rucks. Et ça marche pour l'instant. On a récupéré la balle. On va placer tranquillement Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, il est où? Bon, attends. Le truc, c'est qu'il faut à chaque fois que... Bon, on va faire un box kick avec Yann Lesbourg. Peut-être essayer de trouver la touche. Hein. Regardez, un bon jeu au pied de Yann Lesbourg. Voilà, il est bon. Camille Lopez ne semble pas parti pour jouer rapidement sa touche. Et nous, on va essayer de voler. Allez, ce serait chaud de le voler. Non, ça... Allez, oui, c'est bon, c'est récupéré malheureusement. On le récupère pour faire un nan juste après. Je sais pas si c'est mon truc. Non, c'est. Je sais pas. Mais c'est dommage. Attention de pas trop rater, de pas être pénalisé sur cette mêlée parce que je me suis bien raté. Ça va. On ne coulera pas. Allez, on va au plaquage, mais pour l'instant, les Clermontois qui ont été légèrement dominés sur le début de match sont positionnés. On peut la récupérer la balle. Geoffrey Cross. Et oui, il a gardé la balle au sol. On a l'avantage. On a un avantage de pénalité. Donc, si ça paye pas, notre action, on va prendre des risques. On va voir. Allez. Ouais, c'est dommage, c'est un pilier. Mais le petit retour intérieur, ça peut être intéressant. Attention, l'avantage est passé.
Donc on ne reviendra pas à la pénalité. Allez, il faut insister. Ouais, on ne casse pas le plaquage. Ça va, on est à la protection. Même sens, hein. Même sens, même sens. Allez, Cameron Wookie, c'est pas mal fait. On a fixé. On retrouve Geoffrey Cross. Geoffrey Cross qui élimine un adversaire. Et. Il n'y a plus d'avant là pour. J'aurais bien fait un petit point de fixation avec un avant. On va le faire, on va le faire là. Sauf que je me précipite parce que. Oh là, par contre, Loan Goujon, il est inarrêtable. Quelque chose à faire là dans cet intervalle. On a cherché la croisée. C'est pas mal. On rentre dans les veines de Clermontois sauf qu'on perd là-bas. Là. Dommage. On avait senti le petit côté. Ils vont la jouer au pied. Ils auraient pu essayer de la relancer, les Clermontois. Est-ce qu'ils l'ont pas rentré dans les veines de... Est-ce que c'est pas un ballon rentré? Je demande à voir. Non. Alors après, est-ce que la règle était. Toujours pareil. Les règles des veines de, elles ont tellement changé. Allez. Vous savez que j'adore. C'est le lancement de jeu. On a peut-être quelque chose à faire là. Allez. Il a fixé. Lance du quin. Et on est poussé en touche. Stéphane Owen. Ah, dommage, dommage. Ah. Ouais, il y avait du décalage pour Lance du quin. Bien défendre, de leur mettre une bonne pression. Non, ils vont réussir à se dégager proprement. Revenir sur les 50. On est déjà à 7 minutes 30 de jeu. Plus que 2 minutes 30 avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 0-0. C'est vrai que. Ouais. C'est pas. Alors, les lancements en touche. Il y a peut-être quelque chose à faire à chaque fois là. Ah, on ne fait pas la passe. Mais c'est pas grave. Même sens, même sens. Mais non! On la perd. Je me suis pas assez battu peut-être. Je sais pas. Là, je pense que c'est de ma faute. Ça va être direct en touche. Oui, c'est direct en touche, monsieur l'arbitre. C'est raté. Ça peut être une bonne opportunité là. Allez. C'est le moment d'en faire quelques. Mais non, mais c'est pas possible. Allez, faut mettre la pression. Ah, c'est dommage hein, parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir raté trop mon timing. Et ouais, on ne profite pas. Allez, à la relance. C'est pas mal. Et je me bats pas assez. Là, en fait, j'essaie de pas trop me battre dans les règles pour pouvoir garder un max d'attaquants. Mais en fait, il faut que je me batte plus que ça quand même. Parce que là, on est en train de perdre des ballons. Hein. Important. Est-ce que ça va mieux le laisser, voilà. Rentrer dans les 22. Alors, comment on aplatit Après, j'aurais pu sortir juste un. Ça aurait été moins dangereux. Bon. On va y aller. Loin. Réduire l'angle comme ça. Allez. Alors, c'est pas encore la fin de la première mi-temps. Hein. Là, on est sur la dernière action de la première mi-temps. Mais vous voyez que le chrono s'est arrêté. Donc, on a les 10 minutes. Eh ben, ils ont pas envie de jouer. Les Clermontois, ils se satisfont du 0-0 à la mi-temps. Je dirais qu'on domine un petit peu quand même, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on est légèrement dominateur. Après on sent que Clermont est en mesure de nous inquiéter, mais on essaie de pas faire de. On aurait peut-être dû faire un point de fixation parce que là le jeu au pied est pas super bon. Il fait un tente, il tente le petit. Il est hors jeu, il est hors jeu. Il a, tant mieux pour nous. On l'a joué rapidement, l'arrêt de volée. Et vous avez vu, il a été. Il a pas attendu 10 mètres, mais on peut. On va encore une fois se passer de la pénalité. Allez, oh non. C'est dommage là. Attention, mais non, on garde la balle au sol. On est pris, on arrive derrière. Aïe, je vois qu'on a un blessé. Lance du quin. En plus, on a déjà fait rentrer Cross à l'aile. Il y a danger. Ça va se jouer à la course, malheureusement. Oh, on a réussi à rattraper. On est très chanceux. Hein. Il s'est pas couché comme il aurait dû le faire. Il a cru qu'il avait le temps.
Et on s'en sort, mais c'était dangereux. Et comme je disais, oui, on a dominé cette première mi-temps. On va regarder quand même parce que Nance Duquin, on va faire entrer Nakalevu. Okay, il est plus là, mais bon, vaut mieux ça que jouer avec un blessé. Allez, c'est compliqué. Allez, Nance Duquin, c'est un de tes derniers plaquages. Oh non, recule le 20 mètres là. Ça me met mal ça. Attention, ils ont décidé d'envoyer la balle à l'aile. Ils sont bien en protection. C'est de ne pas se faire avoir. Ils repartent de l'autre côté. Ils tentent la petite passe au pied sur l'aile. Il faut y être là. On n'y est pas. On n'y est pas. Allez. Oh, le raffut qui fait tellement mal de Scott Spedding. Aïe 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 aïe. Arrête, c'est dur, hein, mais on joue sur cette aile de Nance Duquin qui est blessé depuis trop longtemps là. Et voilà. On aurait eu Nakalevu, il y aurait peut-être eu quelque chose à faire. La transformation qui va pas passer. On va dire que c'est le côté positif. La transformation qui passe pas. Ça veut dire que un essai transformé et on a la gagne. On joue encore pour la gagne. Il nous reste 5 minutes pour aller franchir cette ligne clermontoise. Qui va être difficile hein, à passer clairement. Ils sont solides. Allez. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On est en train de faire une jolie action. Ah, j'ai tenté le retour intérieur. J'aurais peut-être dû plutôt faire extérieur. Hein. Mais mon choix intérieur, en fait, je l'ai vu comme un choix risqué, mais potentiellement payant d'un essai si ça passait. Alors nous on se fait intercepter, mais non, encore dans les airs, c'est pas possible. Allez, Clermontois là qui sont boostés, qui sont solides. On est dominé. Faut faire le dos rond, mettre les barbelés. Voilà, et récupérer cette balle. J'allais dire essayer d'en faire quelque chose, mais ça me semble dangereux à faire quand même. Le truc c'est que là on... J'ai cru qu'il allait... Attention, c'est un pilier en bout de ligne. Faut, voilà, rester debout, voilà, pour garder. Pour avoir le soutien. Mais on perd quand même la balle alors qu'on reste debout 3 heures. Aïe, 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 aïe. Attention, je suis pas là pour surveiller. Le petit côté, l'en avant, qui peut faire un peu respirer. On va essayer de relancer. Hein, la passe, le crochet. Allez, Geoffrey Cross qui nous met dans l'avancée. J'ai pas voulu batailler encore une fois. Faut que je bataille plus dans les repas. Je suis en train de passer à côté d'une bonne partie de mon match parce que je veux pas trop batailler. Allez, on la sort. Jalibert, on fait une bonne passe. Geoffrey Cross est en protection. Peut-être on va jouer au pied là avec Jalibert. Voilà. Allez, c'est un bon jeu au pied. On va mettre la pression sur Scott Spedding. Attention, il nous a bien rafuté pour laisser tout à l'heure. Il a joué au pied. Allez, il joue. Oh, il est beau le jeu au pied. Oui, il est parfait. Il est parfait. Attention, le soutien. J'ai envie de la tenter quand même. Il y a un moment, il faut. C'est dangereux ce qu'on fait. Non, avantage passe en avant alors que on était passé. C'était intéressant ce qu'on faisait là. Et là, on vient de. Ah, l'arbitre est sévère parce que. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait en avant. Et ça, bah, ça nous plombe à une minute de la fin. Mêlé pour Clermont. Allez, en avant. Allez. Et pourquoi pas. Ah, il fait faire ta passe, Dombo. Non, bon, on a l'avantage, hein, on a l'avantage de la mêlée, mais. Ah, j'aurais pu encore la conserver. Il était passé, Cameron Yuki. Il faut la sortir rapidement.
Hop, on a fait la croisée, c'était bien fait ça. Sur l'avantage est éliminé, surtout ne pas être poussé en touche, avoir le soutien et on enchaîne. Non, on la perd. Mais à quel... on est mangé là parce que là, regardez tout le monde que j'avais mis dans le ruck, il y avait du monde. C'est fou. C'est fou de l'avoir perdu celle-là. 20 secondes, ils vont. Est-ce qu'ils vont. Ils vont pas la garder, au moins ils vont nous la rendre. C'est déjà ça, mais oh là là, ça va être une touche sur les 5 mètres avec obligation de relancer. On va le faire évidemment, de relancer, vous le savez très bien. Mais il faut surtout déjà faire un bon lancer. Oh non, mais. J'ai pas réussi à faire la passe avec Jalibert. C'est terrible, terrible. On est dos au mur là. Il faut sortir déjà. Oh, allez, je vous ferai cross. On arrive à sortir très légèrement de notre but. Allez, pourquoi pas. Et pourquoi pas. Ah, oh, mais. Pourquoi c'est notre talon qui est là. Pourquoi. Dites-moi pourquoi. Oh là là. C'est dur, mais. Voilà en avant, voilà en avant à la 20ème qui scellera le sort de la rencontre. J'aurais même pas pu vous montrer un essai de notre part. Heureusement, les Clermontois ont mis un essai. C'est dur, c'était dur hein, vraiment ce match. On a bataillé, mais voilà, Clermont a été meilleur que nous. J'ai pas été assez solide dans les rucks. Alors, des fois, c'était ma faute, mais des fois aussi, il y avait notre équipe qui était bah, dominée hein, par le ruck, par les avants Clermontois. J'espère que ça vous aura plu quand même ce match. Alors, on a vu quand même quelques actions sympathiques. On aura tenté de croiser ce petit retour. Elle était pas mal cette action. Elle était pas mal. On a eu quelques actions intéressantes. On revoit vite fait. Mais là, il y a. Ouais. Là, honnêtement, si on a des. Là, c'est fou. Hein. Ah, Nance Duquin qui arrive pas. On voit qu'on a quand même beaucoup joué. On a envoyé du jeu. Ça n'a pas été trop payant, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment. Clairement, peut-être envoyer moins de jeux, mais ils auraient été plus réalistes, plus efficaces. Envoyer une action clermontoise. Moins de jeux en passe, un mold de 15 mètres, et là c'est la passe au pied, c'est ça qui va nous être fatal sur cette aile de Nance Duquin qui est blessé, donc il peut pas réagir très vite. C'est l'arrière qui essaie de réagir, mais en retard, et voilà. C'est l'essai qui coûtera le match. Malgré quelques belles actions. Hein, cette... Ah non, c'est pas là où. Je sais pas si elle va y être là, notre croisée. Mais à un moment, on fait une jolie croisée. Hop là, la petite croisée, elle était franchement sympathique. Puis après, on arrive à rester sur le terrain avec le mol. Regardez, notre dernière action à la 20ème minute. Et quand même. Voilà, mais encore une fois, c'est un gros qu'on a là, et donc on est obligé plutôt d'y aller en puissance, malheureusement. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir regardé ce match UBB, clairement un match à ne pas manquer, hein, clairement, si vous avez l'occasion de le voir. Merci à vous et à très bientôt. Bye bye.